Le XXe siècle a vu des révolutions formidables dans le domaine de la physique, de l'astrophysique et des mathématiques, des révolutions qui rendent plus crédible l'idée que l'univers n'existe pas par lui-même et qu'il provient d'un créateur. Je suis persuadé que le XXIe siècle verra de grandes révolutions dans le domaine de la conscience et de la vie. Nous n'avons pas encore une bonne conception de ce qu'est la vie. Si on avait une bonne conception de ce qu'est la vie, on enverrait une petite sonde qui tuerait une à une chaque cellule cancéreuse et le cancer serait une maladie bénigne. Ce sera le cas un jour, mais dans longtemps. Parce qu'il faut changer notre vision de la vie qui aujourd'hui est beaucoup trop réductrice, qui n'est pas assez évoluée, si j'ose dire. Il faut également changer notre vision de la conscience. Aujourd'hui, il y a autant de théories de la conscience qu'il y a de scientifiques qui étudient la conscience. Ce qui montre bien qu'en fait, on n'a aucune idée de ce que nous sommes nous-mêmes. Malgré tous les scanners, malgré tous les IRM, malgré tout cela, on n'a pas fondamentalement progressé sur la question essentielle que Socrate posait il y a déjà 2500 ans. Connais-toi toi-même. Qui sommes-nous ? Sommes-nous une âme immortelle créée par Dieu qui habite un corps humain ou sommes-nous juste un truc de neurones qui a surgi par hasard ? Eh bien, je pense qu'au XXIe siècle, on aura un certain nombre de résultats qui parleront en fonction justement de l'hypothèse que l'être humain n'est pas qu'un truc de neurones. Et ce sera d'autant plus important qu'en face de nous, il y aura les progrès de la robotique, de l'intelligence artificielle. On sera entouré de robots qui simuleront la conscience, qui simuleront le comportement d'un être humain. Mais, et c'est le pari que je fais en tout cas, et je vous invite à vérifier dans les années à venir si j'aurai raison, ces robots imiteront un être humain. Ils n'éprouveront pas ce qu'éprouve un être humain. Ils n'éprouveront pas de la soif quand leur batterie arrivera à extinction. Ils n'éprouveront pas la peur quand on leur annoncera qu'on va les mettre à la casse pour les remplacer par une version plus évoluée d'eux-mêmes. Ils pourront le simuler, mais pas l'éprouver. Si j'ai raison, eh bien, il y aura une spécificité de l'être humain. Cette spécificité devra être explorée. Pour cela, il faudra se tourner vers d'autres pistes que les pistes réductrices des neurosciences actuelles. Et une de ces pistes, c'est les expériences d'approche de la mort, ce qu'on appelle les near-death experiences, où on a l'impression que quelque chose de la conscience peut se détacher justement du corps humain. Un grand neurologue de Harvard, Eben Alexander, qui a lui-même vécu une expérience de mort clinique, expliquait qu'en fait, nous vivions comme à l'intérieur d'une feuille de papier. Et que quand, disait-il, j'ai vécu la mort clinique, eh bien, je suis sorti de la feuille de papier, j'ai vu un monde beaucoup plus riche, j'ai vu un monde en trois dimensions, alors que nous vivons, d'après lui, dans un monde en deux dimensions. Et il disait que tout ce qu'on lui avait appris à Harvard sur la conscience était faux après son expérience. Donc voilà le genre de piste de recherche que nous devons essayer d'explorer, celle d'une conscience qui ne soit pas uniquement neuronale. Il y a un certain nombre de scientifiques et d'auteurs français, entre autres, comme Jean-Jacques Charbonnier, qui travaillent dans cette direction. Et je pense que c'est un des grands enjeux du XXIe siècle, la nature de la conscience et une meilleure compréhension de ce qu'est la vie.